Et à cette 15e semaine du numérique participent les téléphonies mobiles de la place à titre d'exposants. Elles entendent convaincre la clientèle par les différentes offres qu'elles ont. Arrivent-elles à le faire? Élément de réponse avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Les téléphonies mobiles sont bien présentes à cette 15e édition de la semaine du numérique ici à Bobo-Dioulasso. Chacune d'elles dispose d'un stand pour exposer ses produits au public. Dans ce stand, par exemple, en plus des offres classiques pour la connexion Internet, il y a aussi des solutions mobiles. Ça, c'est pour vraiment le mobile. Et avec cette box, vous avez la connexion Internet au débit et vous avez la possibilité de brancher un téléphone fixe. Un tour dans un autre stand, c'est une panoplie de services proposés à la clientèle. Des puces à la connexion Internet, en passant par les téléphones portables, t'es organisé pour attirer le public. Nous faisons le service après-vente, où nous mettons à disposition des produits tels que nos puces, les clatars, nous avons des téléphones et nous sommes aussi pour faire la promotion de la connexion Internet. L'exposition est faite en rapport avec le thème de la présente édition de la Semaine du numérique. Et il est question de mettre en avant le bien-être du citoyen dans cette ère du numérique. Nous avons des offres professionnelles et également notre plateforme électronique Orange Money que nous mettons à la disposition de l'administrateur public. La téléphonie mobile invite les populations à effectuer le déplacement de la Maison de la Culture pour mieux s'informer sur les différents services qu'elle leur propose. À noter que la 15e édition de la Semaine du numérique se tient du 19 au 23 novembre 2019.